Hello tout le monde, c'est Oran, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de The Witcher 3 sur PC. On s'était arrêté. Oula, il y a ma souris qui part en couille. On s'était arrêté avec Ciri, découverte du gameplay avec Ciri. On a découvert qu'on pouvait jouer avec plusieurs personnages. Donc on s'était arrêté avec Ciri, avec la petite fille qu'on doit ramener jusqu'au village et avec les loups, le mec qui s'est fait décapiter ici. On doit ramener la petite fille jusqu'au village en tuant des loups et apparemment je crois qu'on a un loup-garou au passage. Chose qui va être marrant d'ailleurs. Si je commence à tuer des loups-garous. Alors par contre. Tu as entendu? Des loups. Cache-toi, et vite. Cache-toi, bitches. Yo! Je kiffe trop ça. Je me fais une aide. Dra, dra. Hop. Voilà, bim. Bon, par contre, ils m'ont fait un peu mal. Ah, par contre, je reviens de la vie, ça c'est cool. Oh, comme c'est ballot. Allez, oh putain, je dis cache-toi, putain, la meuf elle a pas bougé quoi. Super! Ok! Bon, je vais récupérer toutes les petites failles. Éventré à coups de griffes. Ce n'est pas l'œuvre des loups. Éventré à coups de griffes. Ok. Bon, on va avancer. Attends, je vais récupérer. Par contre, c'est chiant, j'ai pas la visée hein, comme avec Geralt. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Passe devant? Mais toi, tu es en première. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Lance-flamme! Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Je peux pas, genre, sortir l'épée? Ok, bon, attendez. Eh oh, cours pas trop vite, toi! Attends-moi! C'est marrant parce que la fonction sauter. Augmente toujours la distance, on dirait qu'on va plus vite. Miaou. Par contre, c'est bon, on est revenu sur nos pieds là. La meuf elle dit oh, y a un truc et tout, puis on revient sur nos pieds, blablabla. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi je casse la gueule de tout le monde! J'ai pas peur! Ouais, il fait peur le loup-garou. Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. C'était moi, la meuf en bas, la petite fille, elle faisait coucou là. Tiens, voilà ton loup-garou de merde là, je l'ai pété moi. C'est de la daube. T'as un roi des loups en carton. C'est lui le loup-garou. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Où c'est elle? Alors, il faut qu'on gagne le village. J'ai trouvé un cadavre dans les bois. Non, on va pas parler de cadavre devant la tchotte. Des bandages à la maison, de l'alcool. Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garou. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Mmh.
problème. T'as le bois comme un trou, quoi. Putain, la coupe de cheveux en bol. M'avoir amené, Manon. Ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Faut le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût? Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et ah, la suite devra attendre. Alors, dites-moi, c'est important. Je veux. Il faut que je la trouve. Vous comprenez? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés. Et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Et si je refuse? Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Vous avez cherché? Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Il me faut plus d'informations. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. J'aurais pu la défoncer, hein, t'inquiète pas. Allez, let's go! Marchons, allez, avance. Bouge ta graisse. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée. En tout cas, il est super joli, le jeu. Qu'elle demanda, alors? Rien à dire. Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du... T'as le mec qui vous déporte et... Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. C'est le mot de passe pour ouvrir la porte? Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Ah, d'accord, merci. Tâchez de n'en rien abîmer. Ok. À leur retour, je veux que tout soit dans sa place. Cassé. Hop, on va check tous les trucs.
bruit chelou. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Là, y a rien, y a rien. C'est quoi ces bruits chelous qu'on entend? Hop, je prends tout, je n'ai rien à péter. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Hop. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il parle d'une toile, mais... La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Quelle toile? Non. Est-ce que j'ai une toile là-dedans? Ça, c'est une clé. Coffret. J'ai pas de toile, moi. Tiens, d'ailleurs, j'ai droppé des bagues et tout, là. D'ailleurs, aussi, j'ai peut-être une nouvelle épée. 46-56. Il n'y a pas l'air. Bon, c'est pas grave, ça le verra plus tard. Mais bon, je vois pas trop ce qu'il faut faire ici. Là. Voilà. Le baron et sa femme. On voit rien! Ils ont l'air heureux. On voit Cud. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ouais, mais comment... Comment j'y vais, là-bas? Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Bon. Il y a un truc. What? Putain, les griffes. Fissure. Faite par un objet lourd. Ouais, j'aurais plutôt des putains de grosses griffes, moi. Ok. Bon, après, il y avait le chandelier là-bas, là. Tiens. L'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. What? T'as l'odeur du... On peut suivre l'odeur du vin, quoi. Merde. Ah, lui ?